Salut, c'est Nico d'Ascarity Falls. Et Chris. Vous êtes sur Altencore. Ascarity Falls, ça fait 4 ans qu'on a commencé et Chris, ça fait un an qu'il a rejoint le groupe. Au niveau de nos influences, on est plus Prada, Chris, pas mal Zai Daing, Architects, While She Sleeps. Tout ce qui est metalcore qui tourne bien en ce moment et puis voilà les grands classiques. Le nom du groupe, donc c'est relié à notre premier EP en fait. On est parti sur un concept mythologique sur le Léviathan et un fameux personnage qui survit à des épopées sous-marines. Et du coup, Ascarity Falls, en fait, c'est le dernier rayon de lumière qu'on voit avant de sombrer dans les profondeurs, quoi. Donc, ouais, c'était un peu notre concept. Après, faut écouter l'EP et lire les paroles pour sur tout le reste de l'histoire. Pour ce qui est de l'EP, lyriquement, enfin dans les paroles, je me suis un peu mis dans la peau du héros, donc c'était pas très personnel quoi, c'était plus une fiction qu'autre chose. Pour ce qui est de l'album qui va venir, ce sera beaucoup plus personnel, les thèmes peut-être un peu bateaux je veux dire, mais comme tout ce qui touche à la guerre, des échecs dans la vie, enfin c'est pas très positif. On va s'enfermer et on va continuer à composer l'album, on va vraiment essayer de sortir quelque chose de monstrueux. Donc ce qu'on peut attendre, c'est un album très très propre, quelque chose de nouveau, d'un peu plus frais, je sais pas. Pour l'instant c'est en cours de préparation, donc je pourrais pas trop vous en dire plus, mais on va vraiment essayer de faire de notre mieux pour surprendre les gens. La scène française, elle regorge de beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, de créativité, donc je pense qu'on n'a rien à envier aux autres pays. Le Frenchcore, c'est vraiment l'occasion d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe en France, des gens qui se bougent et tout. Voilà. Ouais, carrément, tout le monde est motivé, tous les groupes sont motivés, il y a une bonne entente entre tous les groupes, ça fait plaisir quoi. Voilà, à part le Hellfest en France ou d'autres festivals plus grand public entre guillemets, c'est vrai qu'on n'a pas grand chose et ça fait plaisir de voir des gens qui se bougent quoi.